خرجوا من لي سيركونستانسيل وغندخلوا في الانفينيتيف دونك هاد الانفينيتيف سي اون بروبوزيسيون اورغانيزي اوتور دان فيرب ان انفينيتيف بمعنى يكون عندي داخلها واحد لو فيرب ان انفينيتيف ما مصرفش دون لا بروبوزيسيون سوبوردون انفينيتيف il n'y a pas de verbe conjugué ni de subordonnant اذا لا سوبوردون انفينيتيف ملي كون عندي لا فيرب كونجوغي لا سوبوردونون كي كون جوندو دو لي كونجونكسيون دو سوبورديناسيون لا فونكسيون دو ديفا ديال داخل الجمله هي ان كومبليمون دوبجي ديريكت مثال جيكوت مي بارون بارلي ملي كنقول هذا المثال ديال جيكوت مي بارون بارلي فين هي لا سوبوردوني انفينيتيف لا سوبوردوني انفينيتيف هي مي بارون بارلي علاش حيت قلت في la définition de la subordonnée infinitive, c'est une subordonnée organisée autour d'un verbe à l'infinitif. Donc la subordonnée infinitive, il y a mes parents parlaient. Donc la fonction de la phrase, il y a un complément d'objet direct. Déjà, le verbe écouter, j'écoute mes parents parler. Déjà, le verbe écouter, j'écoute, c'est un complément. J'écoute quelque chose, par exemple, j'écoute de la musique, j'écoute du Coran. J'écoute mes parents, etc. Donc, il y a dit que mes parents parlaient, j'écoute mes parents parler. Cool, là, une subordonnée infinitive. Elle est limitée à l'infinitif. Elle est regroupée autour d'un verbe qui est à l'infinitif. Lui, le verbe parler avec ER à la fin. La fonction de là, il y a un COD du verbe écouter. Donc, la subordonnée infinitive, elle n'est pas introduite par un subordonnant. Mais maintenant, il y a un subordonnant. Un subordonnant, pour que, afin que, de sorte que, puisque il a réglé. Deuxième exemple, nous entendons les cloches sonner. Nous entendons les cloches sonner. Donc, col basata, finit la subordonnée infinitive, il y a jimora, le verbe. Donc, les cloches sonner, il y a la subordonnée infinitive, et là, il est regroupé autour d'un verbe infinitif, le wa sonner, avec er à la fin. Donc, nous entendons les cloches sonner. La fonction, on va dire, dans la jumla, il y a, c'est OD. Donc, la subordonnée infinitive, il y a toujours un verbe de perception. Dis-moi quelqu'un dit un verbe de perception. Permettant entendre, permettant écouter, permettant ouïr, etc. Donc, le sujet dans la subordonnée infinitive peut être soit un nom, soit un pronom. Donc, le sujet de l'infinitif, la subordonnée infinitive peut être soit un nom, soit un pronom. Mitel. Un nom. J'ai envoyé Paul chercher Pierre. J'ai envoyé Paul chercher Pierre. Donc, j'ai envoyé Paul chercher Pierre. Donc, Paul chercher Pierre, c'est une subordonnée infinitive.